Et voici à notre quatrième jour de pèlerinage, baptisé, plongé dans l'esprit. Le premier jour, nous avons médité comment est-ce que l'esprit, nous avons à avoir le cœur ouvert à l'Esprit Saint. Le deuxième jour, qu'est-ce que l'esprit? L'amour du Père et du Fils qui vient nous donner sa paix, sa joie. Hier, l'esprit qui purifie, l'esprit qui pardonne, qui est plus fort que le mal et le péché. Et puis aujourd'hui, l'esprit qui nous met au service des autres. La question du charisme. Le Seigneur nous fait des dons, pas seulement pour nous, mais pour faire du bien aux autres. Alors il y a le charisme de service, et on a eu l'engagement des hospitaliers, mais il y a le charisme pour l'annonce de la bonne nouvelle. On a vu Philippe qui a envoyé en mission. Il y a le charisme aussi de la joie, le charisme de la paix. Une grande diversité de charismes dans l'Église, le charisme de ceux qui font la communion. Et donc on s'est dit, mais quels sont les charismes que le Seigneur me fait? Et peut-être aussi pouvons-nous nous aider les uns les autres en disant à nos frères et sœurs, mais toi, quel est ton charisme? Un charisme à mettre au service des autres, tout simplement, un charisme qui évolue au fur et à mesure de notre vie. Alors, vivons dans les charismes.